En avril 2019, Emmanuel Macron annonce qu'il va renforcer les moyens du pôle sur les génocides et crimes contre l'humanité, qui est une partie du tribunal de Paris. Ces moyens sont affectés aux poursuites contre les Rwandais vivant en France et qui sont suspectés de participation dans le génocide des Tutsis. On ne peut pas dire qu'on ait constaté une accélération éblouissante du rythme des poursuites contre ces Rwandais un quart de siècle après les faits. Mais il y a plus grave, c'est qu'il n'y a aucun renforcement des moyens qui sont affectés aux plaintes contre des Français. Ces plaintes, nous les précisons dans notre livre, et plusieurs associations, dont la nôtre, l'association Survie, se sont portées partie civile. Ça inclut des plaintes contre l'armée française pour complicité de génocide, des plaintes pour des livraisons d'armes, pour des viols, pour de l'aide fournie par des mercenaires. Et on constate bien que la justice française n'a pas l'air très pressée de mettre en cause l'armée française, les banques françaises comme la BNP et, de façon générale, l'État français.